des êtres humains, faits de chair, d'os et de tout ce qu'on connaît, et aussi d'un système énergétique qui nous fait, qui nous aide à fonctionner. Ce système énergétique qui est à l'intérieur de nous, il vibre aussi à l'extérieur de nous. Et l'animal, c'est pareil, en fait, c'est un être vivant, et il vibre aussi une énergie qui résonne autour de lui. Et en fait, l'idée, c'est d'aller clipper ces deux bulles. C'est ça, en fait, la marche connectée. C'est qu'on va aller mettre ces systèmes énergétiques qui résonnent autour de nous en vibration, en connexion. C'est ça qu'on apprend. Et petit à petit, on a toute une démarche pour apprendre la personne à être vraiment centrée, alignée dans son énergie, dans sa corporalité, et pour pouvoir être là, à 100% là, et on va dire pas être parasité par tout ce qui peut se passer autour. Mais il y a toute une approche pour savoir qu'est-ce qu'on fait vraiment sentir. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait du travail des fois en binôme humain-humain, mais en se mettant, en se laissant guider, en étant mené par un meneur et en faisant vivre différentes émotions. Et on se rend compte, parce qu'on n'en a pas forcément pleinement conscience, que suivant dans quel état émotionnel on se trouve, et ben là, la personne ou le cheval qui est mené par nous, et ben va avoir des ressentis complètement différents. On était d'abord à la main, et après j'ai resté comme ça, juste connectée, et elle était top. Et je pensais qu'il faut la laisser juste par rapport à la connexion, le bras, qu'elle marche à côté. Et j'ai enlevé ma main. Et lorsque j'ai enlevé ma main, elle était paumée. Elle a commencé à tourner à gauche, à droite. On a perdu exactement la connexion. La bulle énergétique, là, je trouve ça assez impressionnant pour l'instant, mais ça permet de connecter l'autre et de se dire que ah, bah, avec mon cheval, finalement, ça fait la même chose. Si je pense à autre chose, ça, le cheval, il décroche comme mon binôme, il l'a fait quand je suis plus focus sur mon objectif. Ouais. Exercice banal, entre guillemets, mais avec pas mal de puissance, qu'en fait. Vous allez rester là où vous êtes. Vous allez fermer vos yeux. Et vous allez faire trois grandes respirations. Et tranquillement, de votre centre, vous allez vous connecter en partant de votre gauche à toutes les personnes du groupe. Et tranquillement, vous allez revenir à votre centre et individuellement avec votre cheval.